France Inter, Nicolas Demorand, le 7-9. Et avec Léa Salamé, ce matin, dans le grand entretien du 7-9, nous recevons le secrétaire national du PCF, Parti communiste français, député du Nord. Vos questions dans 10 minutes, 01-45-24-7000, les réseaux sociaux, l'application France Inter. Fabien Roussel, bonjour. Bonjour. Et merci d'être au micro d'Inter. Hier, ce fut une image et un geste solennel, l'entrée d'un même pas dans l'hémicycle de tous les présidents de groupe à l'Assemblée nationale, derrière Richard Ferrand, en signe d'union contre les agressions dont, étaient, euh, dont ont été victimes des parlementaires pensiez-vous un jour comme député fabien roussel et même comme français citoyen vivre en france le retour de cette forme d'antiparlementarisme violent non mais je le sentais venir et je le sens venir euh, avec euh, euh, ce rejet euh, des partis politiques, euh, ce rejet même des syndicats, euh, cette manière de pointer les élites dans lesquelles on met tout le monde dans le même sac. Et c'est euh, un danger pour la démocratie. Comment on va faire demain s'il n'y a plus de partis, s'il n'y a plus de syndicats Comment on fait euh, On ne règle pas ces problèmes en allant euh, incendier ou, ou agresser physiquement euh, des euh, responsables politiques. On règle les choses par le débat, euh, jamais en attaquant les personnes. Mais vous voyez, il y, y, y a un sentiment il y, y a quelque chose qui monte en France c'est euh, l'apologie du tous pourri. Eh bien, moi, je préférerais qu'on fasse l'apologie du « tous ensemble mmh. ». Et ça ferait certainement du bien à notre pays, à notre démocratie. Mais l'Assemblée nationale a attaqué samedi un véhicule Vigipirate brûlé, une bataille rangée dans les rues de Lyon entre ultra-droite et ultra-gauche. Est-ce que, est que vous diriez que ces dernières semaines, le mouvement des Gilets jaunes à l'origine apolitique et spontané, est en train de muter en quelque chose qui libère les passions tristes, trans, quelque chose euh, qui serait aussi, d'une certaine manière, récupéré, noyauté par les ultras droite et gauche. Je sens qu'il y a euh, un débat qui peut s'aiguiser. Euh, je fais souvent référence euh, au climat qu'il y avait en France dans les années 30. J'ai d'ailleurs euh, vu que le Premier ministre faisait pareil. Et je pense effectivement que nous sommes un peu dans cette euh, période-là où, euh, vous savez, dans notre pays, en période de crise grave comme aujourd'hui, quand les questions sociales montent fortement, certains aiment bien faire monter les questions nationales identitaire Certains aiment bien pointer aussi des responsables, l'immigré, le, le réfugié, le juif. Et ces questions-là, parfois, elles peuvent prendre le pas sur les questions sociales. Et c'est bien pour ça qu'il faut les dénoncer et être tous unis pour les dénoncer. D'ailleurs, avec euh, les responsables politiques des forces de gauche, j'aimerais bien que, ensemble, nous soyons unis pour dire euh, pas ça pas chez nous, plus jamais mmh. ça. Mais donc euh, le, le mouvement des Gilets jaunes a, a muté, comme vous le disait euh, Léa à l'instant ah, J'en je, je, ai pas le sentiment, parce que je participe aux mobilisations des Gilets jaunes par chez moi, je les rencontre régulièrement, j'étais encore avec eux ces derniers jours, j'organise des grands débats, ils, ils le disent eux-mêmes, ils se revendiquent comme un mouvement euh, pacifique, sans haine, euh, ils pointent les euh, débordements de quelques-uns, ils essayent de faire comme ils peuvent, ils pointent aussi parfois la responsabilité des cadres de la police qui euh, organisent mal le maintien de l'ordre, euh, mais euh, ce n'est pas, pas les gilets jaunes, je, je, je n'ai jamais vu dans une manifestation.. À aucun moment, je n'ai vu des mots d'ordre qu'ils écrivent sur des bouts de carton euh, euh, antisémites... Oui, des... oui, bien sûr, mais vous j'imagine, comme nous tous, des, des gens cassants avec des gilets jaunes. J'ai entendu des... Euh, des, des j'ai vu, j'ai lu dans la presse qu'il y avait des réunions organisées par l'extrême droite qui disaient, on va envahir euh, les manifestations, euh, on va aller casser du communiste. Il y a déjà... D'ailleurs, ce week-end, il y a eu les tags antisémites, mais il y a eu aussi des locales du parti... Des locales du parti communiste qui ont été euh, euh, tagués avec euh, euh, des croix nazies. Enfin, je veux dire, on est nous-mêmes aussi euh, victimes de cette violence. Et donc, c'est insupportable pour le débat, ça, c'est sûr. Les actes antisémites sont en hausse de 74% en 2018. Le portrait de Simone Veil, vous en parliez, a été tagué. Le, le, les arbres en mémoire d'Ilan Limi ont été sciés. Tout en condamnant cet antisémitisme, Alexis Corbière de la France Insoumise demande au gouvernement, je cite, de ne pas instrumentaliser l'antisémitisme. Vous pensez que le gouvernement instrumentalise l'antisémitisme je, je pense pas. Et je pense que sur ce sujet, c'est pas la peine d'en remettre une louche. On doit parler d'une seule voix, d'une même voix, pour ne pas laisser euh, un pouce euh, sur, sur ce sujet de, de, de différence entre nous. Tous hum. unis pour dire stop, plus jamais ça, pas chez nous. Vous êtes, pardon, Fabien Roussel, excusez-moi, favorable au référendum pour sortir de, de cette crise ouverte par les manifestations des Gilets jaunes. Hier, Bruno Retailleau préconisait à ce micro deux questions euh, dans un référendum éventuel à, à choix multiples. Première question sur l'âge de départ à la retraite. Seconde question sur les quotas d'immigration que l'Assemblée et les Assemblées pourraient voter. Quelle question, vous, si vous teniez la plume, Fabien Roussel, euh, penseriez-vous utile à faire trancher par les Français bah écoutez, moi j'ai fait le choix dès le début euh, d'organiser de, des débats moi-même, pas comme le fait d'ailleurs le président de la république qui ont fait un Macron show, un Macron tour, pour en faire son auto-promo et apporter ses réponses. Je les fais pour écouter. Euh, je sais un petit peu ce qui se dit dans le pays quand même, mmh. je suis un élu de terrain, mais je voulais l'entendre. Et j'ai distribué, rien que dans ma circonscription, 50 000 cahiers d'espérance. De, 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 Montrez-les. Et les voilà. Et dans ces cahiers, j'ai donné la possibilité à chacun d'écrire... Un, un peu plus haut. Voilà. Maintenant la radio est filmée, donc on voilà. peut le voir. Mes dix priorités pour vivre au mieux. Je commence à les recueillir. et encore hier soir, en débat dans, mmh. dans un village de ma circonscription. Et ça, ce sont donc des, des Et citoyens ça, ça, qui se sont les premiers, en, retours, en 10 les premiers retours que j'ai. Enfin euh, Rotaillot, il ne doit pas vivre dans le même monde que moi, parce que moi, ce que je lis partout, c'est augmentation des salaires, respect des retraités, permettre la revalorisation des retraites au coût et au taux d'inflation de la vie courante, augmentation du pouvoir d'achat, augmentation des petites pensions, pas de retraite en dessous de 1200 euros net, euh, suppression de la CSG pour les petites retraites en dessous de 1800 euros. Mais enfin, il y en a des tartines. Il y a même des propositions euh, des transports, car, train, fret accessible pour tous, ruralité mettre tout ce qui manque. <laughs> euh, et, et à chaque fois, on a euh, retour de l'ISF, taxer les gros et pas les petits, donc, y compris il y, y a les solutions, où prendre l'argent. Euh, Vous allez faire moi, juste par curiosité l'ensemble de ces réponses, de ces documents, qu'allez-vous en faire Alors, nous avons invité, le, 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 le Parti communiste a invité ses élus, ses militants, là où ils peuvent à organiser des débats ou à participer à ceux qui s'organisent, pour que nous-mêmes, nous, nous ayons notre propre appréciation des sujets qui montent. Et le 16 mars prochain, nous irons à Matignon déposer euh, l'ensemble de ces cahiers de doléances et en même temps les dix propositions qui euh, nous semblent avoir été celles qui, ont, mmh. qui auront émergé pendant ce débat. Les dix propositions pour la France et pour les Français en matière de pouvoir d'achat de service public et de justice fiscale et de démocratie. Alors en cas de référendum, vous en posez une, deux, dix des questions Dites-nous, c'était ce que je vous demandais tout bah, à l'heure. Euh, Qu'est-ce qui vous semble urgent à faire trancher par les Français Augmenter le pouvoir d'achat, redonner du pouvoir d'achat aux Français, donc c'est la hausse des salaires et une vraie hausse des salaires pour les salariés du public, les catégoriser comme pour les salariés du privé. C'est augmenter les retraites des retraités qui, qui, eux, se sont fait ponctionner de manière insupportable ces dernières années. C'est de la justice fiscale, c'est-à-dire rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune et même taxer plus le capital, puisque le gouvernement a fait tout l'inverse. Et puis, c'est aussi euh, un plan de sauvegarde pour nos services publics et notamment les hôpitaux publics qui sont en souffrance. C'est le, le sujet qui vient euh, en troisième ou quatrième point à chaque fois, c'est les hôpitaux publics et la question du logement. Mmh. Ce sont là, des, il y a des moyens énormes à mettre Mais vous espérez qu'Emmanuel Macron prenne en compte un de ces dix points que vous allez proposer Ah mais ben ça c'est de sa responsabilité. En tout cas, si moi je reçois des cahiers euh, avec ce type de proposition dedans, et que lui il en reçoit, je crois il en a reçu 810 000 à ce jour, ouais. mais c'est une bombe à retardement pour le président de la République. Parce que s'il n'entend pas ce qui se dit dans ce pays mais on va aller où On va avoir une, une crise politique institutionnelle grave. Il a ouvert les portes d'un grand débat. C'est bien, moi je l'ai plutôt salué. Mais s'il n'écoute pas ce qui se dit, c'est une véritable bombe à retardement qu'il a, qu a entre les mains. Ce serait impensable, inconcevable qu'il tourne le dos à ce cri de désespoir qui monte de, de tout le pays. Fabien Roussel, 86 députés de tous bords, La République En Marche, Modem, PS, UDI, défendent le retour de la taxe carbone dans une tribune publiée ce matin dans le Figaro. Vous n'avez pas signé ce texte, pourquoi parce que si moi j'avais demandé le retour d'une taxe, ça aurait été celle de l'impôt de solidarité sur la fortune. Enfin, ils se trompent de combat. Enfin, les gars, ils sont. C'est pareil. C'est quoi pas Ils ce sont qu ils hors sol le Ça sert à rien. Ils sont hors sol pas de... De... de demander le rétablissement d'une taxe, taxe carbone, qui est cette taxe qui a, fait, euh, qui a mis le feu au pays euh, il, y a, il y a plusieurs mois. Et donc, euh, ils ne peuvent pas redemander ça. En revanche, ils disent une chose qui est intéressante, c'est que 100% du produit de cette taxe soit réellement attribué à la transition écologique. Et on a bien vu dans le débat sur la taxe carbone qu'en France, avec ce gouvernement, c'est pas le cas. 20% seulement du produit de la taxe carbone sert à la transition écologique. Alors pour ça, je les soutiens, mais avant de demander de taxer de nouveau l'essence, mais qu'on attribue 100% du produit de la taxe carbone aujourd'hui, puisqu'elle existe déjà aujourd'hui mmh. pour les entreprises, qu'on attribue 100% de cette taxe carbone à la transition écologique. D'accord, mais il ne faut pas l'augmenter. Mais pas maintenant, pas là. Mais mais l'urgence pas... climatique, l'urgence transition... climatique, si on écoute les, mais... si on écoute le GIEC, c'est dans 12 ans la catastrophe. Donc, oui. et donc on augmente a... quand la taxe carbone y a une Dans une 5-6 ans. Climatique et il y a une urgence à prendre des dispositions fiscales pour redonner des ressources à l'État et engager cette transition écologique, mais pas en le faisant supporter par des ouvriers, des salariés, des retraités, des euh, qui n'en peuvent plus, qui sont aujourd'hui les vaches chalées euh, de, de de la politique du gouvernement. Pourquoi on ne taxe pas euh, le kérosène Pourquoi on ne taxe pas Total qui est un des plus gros pollueurs de France Pourquoi on ne taxe pas les portes-conteneurs qui polluent euh, plus que euh, la totalité des véhicules qu'il y, qu y a sur la planète enfin, je veux dire, mmh. euh, Si on veut faire rentrer de l'argent pour la transition écologique, on va vous en donner des idées. Mais là, c'est 85 députés et ils se trompent de combat. Un mot sur euh, les niches fiscales. Gérald Darmanin, c'était un ballon d'essai, comme on dit. Euh, N'excluez pas de supprimer les niches fiscales pour les 9% des foyers. Les plus riches, on verra ce qu'il euh, adviendra de, de cette idée. Mais sur le, le fond, le principe a-t-il raison selon vous, Fabien Roussel ouais, Écoutez, euh, je suis député de la commission des finances, donc les niches fiscales, euh, on, euh, on a l'habitude de les voir passer. Et il y en a une paire, euh, effectivement, elles coûtent cher au budget de l'État. Alors je pense pas qu'avec mon camarade Gérald Darmanin, on parle des mêmes taxes, euh, des mêmes niches fiscales. Euh, il y a une niche fiscale qui coûte excessivement cher, c'est la niche Cope, par exemple. Mmh. 7 milliards d'euros d'ailleurs ce gouvernement a voulu l'augmenter en pleine crise des gilets jaunes ils ont fait un petit recul arrière mais il y a des niches fiscales qui favorisent les plus aisés et qui doivent elles être mises à contribution pour répondre pour, enfin pour donner des recettes supplémentaires à notre budget mmh. Euh, J'aimerais qu'on passe au standard, il est 8h35 et il y a déjà de nombreux auditeurs en ligne et on continue avec vous euh, Chantal, soyez la bienvenue, bonjour. Bonjour, bonjour. alors euh, je ne suis pas encartée, je suis de gauche, euh, j vraiment je souhaite savoir ce que pense Fabien Roussel de la proposition de Benoît Hamon sur un vote citoyen de gauche. Aux européennes. Mmh. Moi, ça m'intéresse. Euh, je trouve qu'il y a des papiers de cigarette entre certaines listes et j'aimerais vraiment bien qu'ils s'unissent. Voilà. Merci Chantal d'ouvrir ce grand chapitre de notre entretien. Benoît Hamon, donc une, une votation euh, citoyenne pour trancher les têtes de liste d'une éventuelle liste d'union des gauches. Ça, c'est l'idée à laquelle Chantal est, est favorable. Les Verts, les Insoumis ont déjà dit non. Et vous, au PC, Fabien Roussel, vous avez entendu le mot que vous avez employé, Monsieur de Votation citoyenne. J'ai dit quoi? Pour trancher des têtes de liste. Alors, ah oui, pardon, excusez-moi. Effectivement, pour trancher la oui, question des têtes de effectivement, liste. Effectivement, ça peut. <laughs> Mais Elle va vous coller le non mais c'est une autre non époque. je trouve non mais je trouve <laughs> qu'effectivement il peut y avoir de ça parce que il euh, n'y a pas qu'un paquet de cigarettes une feuille de papier de cigarette qui sépare les listes euh, qui aujourd'hui sont présentes euh, madame euh, et d'ailleurs depuis que les élections européennes sont élections européennes depuis 79 euh, il y a eu à gauche plusieurs listes parce que nous avons des visions totalement différentes euh, de la manière dont euh, ces traités européens euh, ont secoué notre Pays et Georges Marchais à l'époque était de tête de lice, avait déjà dénoncé euh, ce que ces traités européens allaient faire à notre pays en termes de perte de souveraineté, de concurrence entre les peuples, de casse de nos services publics et on le voit aujourd'hui. Et donc nous sommes complètement différents. On ne peut pas faire une votation citoyenne avec des forces politiques et c'est ce que je réponds à Benoît Hamon. Nous ne pouvons pas faire de votation citoyenne euh, entre des forces politiques euh, dont lesquelles certaines soutiennent les traités européens et d'autres veulent sortir de ces, de, 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 des logiques de ces traités. Comme Mais pourquoi vous ne mettez pas les différentes voies ou les différentes listes ou les différentes options au vote des citoyens Mais parce qu'on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Enfin, parce qu'on est complètement différent. Il suffit de regarder les votes des différents groupes euh, au Parlement européen. Vous, vous auxquels vous êtes totalement auxquels, très, très, très différent de ce que propose Benoît Hamon. Euh, on a des différences, mais je pense que nous aurions pu en parler. Et nous, nous étions en train d'en parler avant qu'il lance cette proposition. Nous sommes différents du Parti Socialiste sur les questions européennes, mmh. clairement. Euh, nous sommes différents des écologistes, clairement. Mais ils le disent, mais on assume ces différences. Nous, nous, nous siégeons dans des groupes différents. Dans le, par exemple, le, 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 euh, le rôle de la Banque Centrale Européenne. Qui est terrible puisque c'est elle qui prête aux banques, qui ensuite prête aux pays, aux États avec des taux d'intérêt élevés. Nous sommes le seul groupe à nous opposer à cette banque centrale européenne parce que nous disons que elle doit être publique, qu'il faut reprendre la main dessus. Les écologistes ne sont pas contre, les socialistes ne sont pas contre non plus. Mais Fabien Roussel, marie georges Buffet disait en septembre dernier, on ne va quand même pas arriver aux européennes avec cinq listes de gauche. En fait, au rythme où ça va, il y en aura encore plus que cinq listes. Est-ce que c'est, est-ce que c'est pour reprendre ce que dit Chantal, notre auditrice, c'est pas suicidaire. Ben écoutez, euh, ce qui est terrible euh, pour la gauche, c'est qu'elle soit à ce point affaiblie. Ce que je sais, c'est que quand le parti communiste faisait 15% euh, avant, la gauche avait d'autres couleurs. Et bien le parti communiste est de retour. Parti communiste is back. Comme je dis, voilà, Party on est là. Voilà. Parti <laughs> communiste. Parti communiste, il va falloir faire avec nous. Et, et enfin, nous là, sommes... pour l'instant, vous êtes crédité de 2 ou 3% selon les sondages. On est loin on... des 15%. Eh bien, ça fait 11 ans que le Parti communiste n'a pas été présent à un scrutin national et certainement qu'on le paye aussi. Eh bien, aujourd'hui, parce que nous pensons que la gauche doit se reconstruire, qu'elle doit reprendre des couleurs, qu'elle doit rep... défendre les vraies valeurs qui sont les siennes de solidarité, de fraternité, de partage des richesses, eh bien, le Parti mmh. communiste est là. Euh... Et en même temps, il tend la main. Il ouvre les bras pour construire avec celles et ceux qui, sur la question européenne, sont pour défendre, dénoncer, dénoncer ces traités européens. Donc nous allons poursuivre nos discussions. Donc avec je vais, la Mais je vais continuer de rencontrer Benoît Hamon. Je ne sais pas s'il aura au bout de sa votation citoyenne. Je discute toutes les semaines avec Jean-Luc Mélenchon pour lui demander de se détendre un petit peu, puis qu'on puisse essayer de trouver <laughs> les contours d'un rassemblement sans. Mais non. Pourquoi mais parce qu ils que. Se détendent mais parce qu'ils ont des, des ils ont une conception du rassemblement qui est pas très rassembleuse et donc il faut qu'on arrive à, à, à un moment donné à travailler ensemble et ça veut pas dire forcément fusionner dans des listes enfin la gauche d'ailleurs quand elle a gagné, en 36 avec le Front Populaire, en 80 avec Mitterrand, en 97 avec Jospin, euh, on, on ne fusionnait pas. En revanche, on arrivait à se mettre d'accord pour défendre. Mais vous vous mettez à la place collines. de l'électeur de gauche qui Alors c'est voilà, ce que, ce que j'allais dire, Chantal. Quoi faire. Vous avez rayé d'un trait de plume ce qu'a dit Chantal. Elle dit, il y a l'épaisseur euh, d'un papier à cigarette entre les, les, les différentes pas chapelles de, de gauche. Vous vous dites pas tant que ça, mais est-ce que vous pouvez vous mettre à la place de l'électeur et de l'électrice en l'occurrence qui voit un papier à cigarette, c'est-à-dire rien. Ben... Voilà, voilà ce que vos électeurs voient. Et, et donc... Ils, largués, pas, Ils ne ils comprennent pas. La division. Mais je pense. Si on mais ouais, mais je, je, je suis. Je, je comprends puisque je l'entends. Je, je les rencontre ces personnes qui m'interpellent. Vous êtes encore là, Chantal, d'ailleurs. Oui, je suis encore là et je suis désespérée de ce que dit M. Roussel. Il oh oh bah, y a que... des points communs entre Monsieur Hamon et Monsieur Roussel. Commençons par le début et voilà. Mais et quand, quand... Comment, après, euh... Chantal, Moi, Chantal, Chantal, quand Fabien Roussel dit on mélange pas les torchons et les serviettes, ça, ça, ça vous choque. évoque quoi Ça vous choque ben oui, moi, je... commençons. Sont... Il y a certaines listes à gauche de la gauche. Je ne parle pas du Parti Socialiste, mais à gauche de la gauche, il y a des, il y a des listes qui peuvent travailler ensemble. Mmh. Je ne comprends pas. Fabien Roussel mais vous répond. Mais Chantal. vous avez raison, madame. C'est bien la raison pour laquelle je dis qu'il y a le Parti Socialiste. On a, on a des, des, des divergences trop fortes sur les questions européennes qui ne nous permettent pas de travailler ensemble. En revanche, avec Benoît Hamon et avec ses militants que je rencontre aussi dans les débats, nous avons des points de convergence. Et je renouvelle mon on appelle à ce que nous puissions nous retrouver et construire une liste ensemble. Nous avons bâti une liste avec Yann Brossa, tête de liste, avec une femme ouvrière en numéro 2 dont nous avons l'ambition qu'elle soit élue demain. Nous avons des sortants Marie-Pierre Vieux, Patrick Le Yarrick. Mais nous pouvons, avec Benoît Hamon, construire une liste ensemble. Ensemble et pouvoir porter ce combat pour une autre Europe et contester ces traités européens. La porte reste ouverte pour notre part, si ça peut vous rassurer, madame. Merci Chantal d'être intervenue et d'avoir dialogué avec Fabien Roussel. Bonjour Guillaume. Bonjour. Vous nous appelez de Grenoble et euh, Fabien Roussel vous écoute. Bah oui, bonjour, salutations euh, camarades. Bonjour. Bah alors voilà, vous avez euh, euh, commencé cet échange euh, sur l'histoire de, de la violence. Alors bah voilà, vous êtes bien au chaud dans votre studio parisien, mais honnêtement, la violence, elle a été là tous les jours. Mmh. Ça veut dire que les gens crèvent, euh, les gens crèvent la gueule ouverte dans la rue euh, tous les jours, et forcément que la violence, elle est là, enfin, c'est une évidence, euh, sans elle, on sera encore sur la lancée du programme antisocial de Macron, et ça, ce n'est pas, pas les syndicats ou les cocos qui, qui vont y changer quelque chose. Mmh. Euh, c'est qui alors, euh, alors selon, bah, selon vous, Guillaume vous Guillaume, sur, Guillaume, s'il Guillaume, Guillaume, oui. vous plaît. Euh, ce n'est pas les syndicats, ce n'est pas les cocos, c'est qui du coup et de quelle manière alors justement, c'est là ma question, est-ce que est-ce que monsieur le député soutient le référendum d'initiative citoyenne qui, vu de masse net, est un des moyens euh, on va dire les plus démocratiques qui puissent nous éviter justement d'aller droit dans le mur dans lequel on va actuellement. Mmh. Là si on continue comme ça sur cette lancée antisociale et sur sur une surdité totale du pouvoir, évidemment qu'on va vers plus de violence. Et le pire, je vais vous dire, c'est que ça va servir Macron qui va pouvoir jouer. Sur un, sur un aspect, ce sera euh, moi ou les nazis, en gros. Quoi. Mmh. Et, ça, et ça, ça va le servir. Merci Évidemment, Guillaume. Merci Guillaume. Appel depuis Grenoble. Fabien Roussel. Oui, nous sommes favorables au référendum d'initiative citoyenne. Nous déposons un texte de loi le 7 mars prochain dans le cadre de notre niche parlementaire qui propose le référendum d'initiative populaire. C'est un texte de loi que nous avions déjà défendu l'année dernière qui permet à 500 000 électeurs euh, de demander ou. Euh, de proposer une loi ou d'abroger une loi après un an d'existence. Et nous proposons, nous, que ces référendums d'initiative citoyenne soient encadrés au moins par le principe qu'ils ne remettent en, pas en cause euh, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Léa. Fabien Roussel, mettre un drapeau français et un drapeau européen dans chaque salle de classe, vous en pensez quoi euh, Ça ne peut pas faire de mal ou c'est un gris-gris, comme le dit la, la FCPE euh, C'est, euh, à mon avis... Euh, L'école de la République, c'est pas de mettre un drapeau dans, dans les classes, c'est de faire en sorte qu'il y ait des professeurs, c'est de faire en sorte qu'il y ait du chauffage dans les écoles, c'est de faire en sorte que quand un prof est absent, il soit remplacé immédiatement, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait euh, pas plus de 20 élèves par classe. L'école de la République, c'est l'école de l'égalité des chances, c'est de permettre qu'il y ait des euh, personnes qui accompagnent les enfants handicapés, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors ils peuvent mettre tous les drapeaux de la République dans toutes les écoles, mais ça, c'est pas... Euh, D'abord, ça va coûter euh, un petit peu, c'est ce qu'on ce qu me dit d'ailleurs euh, dans les débats, puisque je l'ai entendu, mais euh, enfin c'est du cinéma et on ne va pas ouvrir un débat là-dessus. C'est combien de profs en plus, combien de moyens en plus, com combien d'AVS en plus pour accompagner les enfants handicapés. Ça c'est l'école de la République et c'est plus qu'un drapeau. L'humanité, le quotidien, votre père, Fabien Roussel, euh, était correspondant du quotidien à Hanoï, est-ce vrai ah oui, j'ai même vécu oui. avec lui pendant deux ans au Vietnam. Oui. Vous êtes vous-même ancien journaliste. Est-ce que vous craignez que ce quotidien disparaisse Il est aujourd'hui en redressement. C'est un risque parce que l'humanité, c'est un, un des rares journaux, le seul journal aujourd'hui dont les actionnaires sont ses lecteurs. Il n'a pas de planche à billets derrière, de grands groupes financiers qui vont allonger des dizaines et des dizaines de millions dès que ça va mal. Et donc, il ne peut compter que sur ses lecteurs. Et euh, le drame, c'est que pour que cette presse pluraliste existe, je pense aussi au journal La Croix, euh, qui euh, subit les mêmes difficultés, c'est que nous ne. Pouvons, euh, ce journal ne peut vivre, ces journaux ne peuvent vivre que s'il y a l'aide publique de la presse. Or, cette aide publique euh, s'est raréfiée, elle a fortement diminué. Et c'est ça qui pénalise euh, le pluralisme de la presse et qui pénalise l'humanité et qui, euh, du coup, laisse des grands groupes financiers euh, eh bien, pouvoir être propriétaires de journaux. Et ceux qui ne peuvent vivre que de leurs lecteurs euh, sont, euh, sont menacés aujourd'hui. Mmh.